Ok, on est tous prêts là. Mais il n'y a plus qu'à voir si ça va marcher. On va voir. Ah, normalement, il ne devrait pas décoller. Hein. Parce que j'ai annulé tout. Donc, on va voir. Alors, donc, le premier qui ne devrait pas décoller, justement. 33, 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes, c'est de celui-là. Alors. Normalement, il ne devrait pas décoller. Dans 12 minutes, celui-là. 12 minutes. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok, il décolle pas. Alors, j'espère qu'ils vont décoller. Ah oui, alors attends. Alors, je sais pas si vous voyez, dans la mission là, si on va là, est-ce qu'on peut pas, quand on clique ready, est-ce que ça les met en ready ou est-ce que ça la met en launch? Je sais pas. Parce que là, il s'est mis en ready. Donc, normalement, la mission part dans 15 minutes. Dans 15 minutes, donc à savoir si mes avions seront prêts. Donc, ça va être. Attendez, c'est lesquels? Celui-là il est prêt. Celui-là, merde, celui-là il sera pas prêt. Ah oui, j'ai fait le con là. Bon, c'est pas grave. À mon avis, ils vont décoller quand ils seront prêts. Hein. J'espère. Je pense. On va voir. h 30, ça n'a pas décollé, pourquoi? Allez, si c'est bon. Les F6 sont partis. Donc j'ai quoi? J'ai mission 001. J'en ai qu'un qui est parti. Non, j'en ai trois. Departed, ok, parce qu'il est prêt. Alors oui, il faut faire aussi. Voilà le deuxième. Donc ça, c'est les avions de reconnaissance. Ok, ça marche. Par contre, pour le transit des autres missions, j'étais un peu vite, je crois. Non, non. Mission editor. Je vais les tous les refaire. Ça. Ah ben non, je les ai pas. Escorte. J'ai pas le. Je peux pas régler le transit en fait. Ouais, bon, on va voir. Donc qu'est-ce que j'ai là? Donc j'ai bien mon avion. Ah, est-ce qu'ils sont en deux? Je sais pas s'ils sont en même temps. Non, reconnaissance 2. C'est vrai, voilà, ça décolle pas. Après, il faut se synchroniser par rapport au temps qui restait, en fait. Donc ça part. Mais j'aurais dû regarder comme ça. Et parce qu'on peut pas, on peut pas faire, on peut pas trier là. C'est dommage. On va avancer. Deuxième escorte. Là, j'en ai deux d'avions. Hein. J'ai deux avions de reconnaissance. Là, ouais, c'est bon, ça part. Celui-là, c'est quoi? Bon, je peux fermer ça. Ils sont tous ready là. Ils vont démarrer les uns après les autres, je pense. Hein. Ah, tout est décollé. Non, tout est décollé pour. Mission reconnaissance, voilà. J'aurais préféré qu'il décolle avant, hein, les avions de. Donc là, c'est reconnaissance, c'est donc tout ce qui est assigné à la reconnaissance. Ok, ça marche, c'est bon, c'est parfait. Et dans 5 minutes, normalement, il y a mon raid aérien qui va partir. Donc on va voir. Donc 10h45, j'avais mis. Hein. On va suivre un peu aussi les autres avions. Hein. Pas trop vite. Allez, on va voir.
Normalement, dès que ça va passer à 10h45, on va voir nos avions qui se préparent. Ils sont ready là. Allez, fais-moi plaisir. Ça part. Ouais, oh, c'est beau. Alors là, franchement, je suis content. Je suis content. Vous avez vu, 10h45, tout se met en route. Tout le monde part. Voilà, on prépare à décoller. On est sur le point de décoller. Là, on se prépare. Bon. Après, à voir comment ça va partir. Hein. Alors, les deux prochains qui vont décoller, ça va être celui-là. Celui-là et celui-là. Il doit y avoir. Ah, bah, il y a ça et ça. Donc, ça, c'est de l'anti. C'est de la supériorité. Non, il bouge là, je veux dire. Texting. Mais ça veut dire qu'il bouge vers le truc de la piste de décollage. Ouais. Donc on va surveiller ça de près. Et ici. Je suis à 36 000. 40 000. 40 000. 40 000, c'est bizarre que j'ai mis 40 000. C'est quoi? C'est assigné à quoi ça? La mission 1. Mission éditeur là 001. Ah oui, j'avais mis 40 000, d'accord, j'ai rien dit. Bon, après, faut gérer au fur et à mesure. Voyez, celui-là il est un peu à la bourre, donc j'ai envie de dire, bah, je vais lui mettre post-combustion. Et tu y vas, mon pote, hein, 36 000 pieds, donc c'est bon. Donc, comme ça, il sera pas trop en retard. Lui, c'est pareil. Post-combustion, parce qu'il faut rattraper tout ce monde-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça part, ça part, ça part. C'est bon. Les deux partent, là. Donc, j'ai un bombardier et deux Lightning. Parfait. Là, il va le bombardier. Ça, c'est son escorte, j'espère. Non, ça part pas dans le bon ordre. Ça part pas dans le bon ordre. Mission 4, ouais, c'est un peu la foire d'empoigne. Ah bon, c'est pas spécialement méchant puisque les points de bombardement sont assez rapprochés. Enfin bon, le principal c'est que tout le monde décolle en même temps. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il fait lui? Mission escorte airborne, ok. Celui-là, il va. Ok, bon. On lui rattrape, c'est bon. Le mec, il bouffe, là. Et là, il bouffe, hein. Ouh, 196 kilos à la minute. Mais bon, là, je peux redescendre. Alors, je suis en cruise là. Ouais, je vais redescendre en cruise. On redescend en cruise, hop. Ok, nouveau contact. Je vais le ralentir lui. Je vais le remettre aussi en cruise pour qu'il assure l'arrière. Alors, hop. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ok, ça c'est les bombardiers. Alors je pense, voilà, comme ils sont escortes, mais oui, alors ça c'est bien, oui, voilà, quelque chose de bien. Les escortes, eh ben, ils attendent tout simplement les avions qu'ils escortent. Ça c'est plutôt bon, par contre, lui il avance. Mission 002, c'est qui doit y aller? Lui il avance quand même, quoi. C'est un peu la. Bon, alors ils volent en ligne parce que j'ai pas fait des groupes. J'aurais pu faire des groupes. Mais bon, après, je voulais, hein, quand même assez micro-géré pour bombarder pas tout au même endroit, quoi.
C'est les missions, elles sont pas automatiquement sélectionnées. Faut que je les sélectionne là en fait. Je l'ai enlevé pour pas que ça rame de trop. Voyez. On ralentit un peu. On va ralentir un peu pour que l'autre il rattrape. Et je vais essayer de faire un groupe avec les deux. Hop, crise. On va essayer de faire un groupe. Groupe opération. Ouais, je peux pas. Je fasse G. Ok, c'est bon. Alors, leader. Comment désigner le leader? Je sais pas. Groupe opération, détache, formation, éditeur. Allez, voilà, il va se regrouper. Ok, c'est bon. Alors, je peux faire les groupes dépendamment, ça c'est bon. Et ben, c'est tout cela, je vais faire un G. Hop. Donc, lui, il va ouvrir le chemin. Et on va voir. Ah, je peux pas, peut-être. Non, je peux pas l'ajouter au. Wow. Là c'est beau ça. Hein. Là ça va pas rigoler je pense. Tu vas ralentir un peu toi. Ralentir un peu. Ralentis Leuteur un petit peu pour qu'il te rattrape. Alors, non, celui-là, je vais défaire le groupe parce que du coup, je sais pas ce qu'ils vont. Attendez, il y a quoi là-dedans? C'est quoi ça? Ouais, je vais défaire le groupe du coup, là, parce que ils ont pas la même mission. Il y a ici. Je peux pas. Non, non, c'est que ça que je veux. Formation éditeur, tiens, c'est rigolo ça. Je reste, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour le. D'accord, des endroits on n'a pas vu, hein. C'est groupe des tâches. Hop. Et ces deux-là, je peux pas les mettre. Je peux pas faire un groupe avec? Non, je dois pas pouvoir. Mais par contre, avance pas trop vite, mon pote là. Y a combien entre vous là? 11 nautiques, bon si ça va. Il est en cruise, on est en cruise. Il y a quoi avec lui là? Ah oui, bah faut que je le détache du groupe aussi alors. Là, je vais refaire des groupes là aussi. C'est bon, je suis à la bonne altitude, donc je consomme le moins possible là. Alors, on va voir si alors, la mission. Voilà, 40 000, 6 000, et l'autre. Ah, je l'ai pas mis. Fouf. Je vais la mettre 40 000. 6 000. J'espère que ça marche. Je peux pas l'enlever du groupe là parce que. Je mets un D. Non. Les radars sont activés, j'espère. Ah oui, mais si je mets pas les radars.
D'ailleurs, fais voir un peu ça. Non, c'est là. Allez, voilà, d'accord. Radar active. Voilà. Ce sera un peu mieux. Vous voyez, j'ai des cibles qui ont disparu là. Est-ce qu'elles vont réapparaître? J'aimerais bien savoir si ça va, s'ils vont descendre. Normalement, ils devraient descendre en altitude. Ils sont en quoi? Ils sont en cruise. Ouais, d'accord. Ça descend. Parfait, ça descend à 7000. Normalement, ils vont descendre à 7000. Superbe. Ou 6000, ouais. Superbe. Bon, ils n'ont pas de caméra. Hein. C'est les autres, il va falloir qu'ils... C'est eux, là. Hein. Alors, par contre... Wow, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas perdu d'avion, moi. Hein. Non, non, l'autre il est là. Pop, 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 pop. Faut pas que je les fasse Winchester. Non, ils vont pas repartir normalement. Ils vont escorter. Ah si, RTB. Merde. Oui, parce que la mission elle est en single loop. Elle est en single loop. Bon, il n'y a pas grand chose là, mais j'ai les autres qui vont arriver. Alors, si elles sont en single loop, elles sont. Mission editor, donc il va falloir que je fasse là et que je fasse continue loop. Pareil pour l'autre. Et puis je les ferai évacuer à la manuellement. Parce que là en fin de compte les deux ils servent pas à grand chose. Enfin, ils ont fait un passage, ils ont ouvert le passage. Alors pareil là, ça c'est bon. Ça redescend, ça redescend. Voilà, je spot. Ah, je suis à 22 000, hein, il a du mal à descendre là. Hein. 16 000. Il va pas réussir à redescendre en dessous. Il repart pas lui, hein. Ok, c'est bon, il repart pas. Ok. Alors j'ai détecté, mais ils ont pas classifié hostile. Simplement, je dois pas être assez bas. Si je suis à 6000 là. Si, deux avions qui décollent. Ok. Évac. On évac. Return to base. Mais tu attaques pas, toi? Je suis en train de perdre mes avions là. Ah, j'ai perdu mes deux avions. Waouh, pas good. Pas good, pas good. Je peux pas aller faire. Non, ils sont à RTB, merde. Ah! Fouque! Putain, j'ai perdu trois avions là. Et du coup, eux, je vais les faire ralentir.
Non, ils vont tirer. Eux aussi. Ils ont les bombes. Il y a les bombes. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc j'ai en fait compte, j'ai pas reconnu grand-chose. J'ai pas reconnu grand-chose en fait. Pourquoi, je ne sais pas. J'allais peut-être trop. Pff, je pense pas que j'allais trop vite. Hein. Attends, la couverture nuageuse est entre 7 et 6 000 pieds. Normalement, ça aurait dû aller quoi. Est-ce que j'avais activé les. J'ai pas fait gaffe. Bon allez, j'espère que ça va aller. On va avancer un peu là. Ok, ça, là ça va se taper. Hein. Ça va se taper là. Allez. Boum, boum, boum. Oh la vache. Ouais, allez. Ils vont essayer de le chasser au canon, lui. La vidéo est un peu longue, mais ça vaut le coup. Je la couperai en deux, de toute façon. C'est bon. 1, 2, allez, encore un. Il monte. Ben, ça me paraît bon là. Hein. Par contre, au point de vue des doctrines, j'ai pas regardé beaucoup. Notamment au niveau du retour de toute base, je vais mettre Winchester avant qu'il se barre. Alors, Winchester, je vais mettre ça pour tout. Winchester. 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 Ça, à mon avis, on pourra refaire un tour, je pense. Merde, je suis perdu là. Winchester. Winchester. Dépêche-toi. De toute façon, Winchester, oui, c'est évident, parce que les bombardiers, ils n'auront plus rien, donc les scopes, ça même. On a nos roquettes, là. Là, ils vont attaquer, eux. Si on met Target Vector, si on met Selected Unit, voilà. Lui, on va le voir. Allez. Il va te le faire au canon, toi. Il reste un Red Top. C'est intéressant quand même les avions, hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Qu'est-ce que tu fais ça? Pourquoi t'avances pas?
Ça y est, ah, Winchester. Il en reste encore un là. Ouais, celui-là repart normalement. Ouais, ok. Bingo. Bon, d'accord. Eh, bingo, bingo. En espérant qu'il n'y a pas trop de DCA. Et parce que du coup, je sais plus. Ah, un peu celui-là, toi. Cuve carburant. Voici, je les ai pointés au début. Allez, on va les. Ok, 1017 H. Roquette, roquette. Oui! Oh, post office port entier. Post office port entier, pourquoi? C'est pas si gros que ça. 150. Là, il tire à côté, moi. Ah, c'est bon, il brûle. C'est bon, c'est bon. Il a fini par être détruit. Attends, quoi, toi? Mais ils repartent, ok. Là, je vais avoir le bombardier sur les cuves de carburant. Ça va sur le stade Ouse. Évite dommage, je sais pas si j'aurais si j'aurais complètement. Allez. Les cuves sont là. Yes. Déterminé hostile. Ok. Ça c'est mort, il en reste un. C'est dommage, il reste. J'ai détruit à 750 et à 400. Il restait à 400. Ensuite, ah mais là, ça donne quoi? Ah, Sir, we are getting report that. Voilà, ça c'était un point important. Comme quoi, j'ai foutu un sacré coup à l'Ougande, au centre de commandement Ougandais. Ça doit être ça, comme ça. Hop. Ça, c'est OK. Ça va sur la tour de contrôle. Tour de contrôle HS, nickel, c'est bon. Station d'épuration. On va. En voilà deux, nickel. Ok. Je crois que c'est le dernier. Qu'est-ce qu'il reste là? Post office. Attends, il reste quoi lui? Est-ce qu'il reste des Sparrow? C'est con, je veux pas avoir le. Qu'est-ce qu'il va. Ah, il va fumer les. Le petit bâtiment, ouais. On dirait qu'il y a de l'orage. Hein. Il faudra vraiment refaire les sons là-dedans. Ça bute. Ça tue. Parfait. Écoutez, ça s'est pas trop mal passé. On a perdu quand même la Rocco et une paire d'avions au début, mais là, je veux dire, tout le monde. C'est quoi ça? Ah, vers le grand. Ouais, d'accord. Alors lui, normalement, il doit buter celui-là, mais est-ce que je vais plutôt aller me rediriger là-bas? Alors, on va aller faire ça. Le grand hangar, c'est pas grave. On va faire un attaque option auto.
sur ça et on va la désassigner de la mission. Est-ce que je peux attaquer auto? Voilà. Ah, je sais pas si il va leur faire. On va voir. De toute façon, il a le link dessus, donc je pense qu'il va aller dessus. Je vais essayer de finir ça. J'espère que je vais pas trop détruire autour. Qu'est-ce que ça dit au niveau du scoring? Major victory, pas mal. J'ai perdu à cause des avions. Allez, avance un peu. Je suis pas le waypoint, hein. Si ce con est sur le waypoint. Mais pause. Pause, on va le faire à la... On va essayer de le refaire une fois parce que... Si j'arrive à détruire ça, c'est bon. Il y a le feu, mais je vais l'achever. En espérant que je tire pas à côté. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai perdu là? Ok, c'est bon. C'était mon bombardier. Écoutez, c'est pas mal. J'ai détruit ce qu'il fallait dans la ville, sans faire de dégâts civils apparemment, parce que sinon il me l'aurait dit. Et tout le monde rentre, quasiment indemne. On a perdu trois avions quand même. Voilà, bah écoutez les amis, c'était une vidéo un peu longue, mais ça en valait le coup avec toute la préparation et tout, ça demande beaucoup de temps. D'ailleurs, on peut passer des heures hein, là-dessus, hein, sans problème. Ah, j'avais une frayeur, je croyais que j'avais pas enregistré. Voilà, tout le monde va rentrer, on va accélérer et voir un peu la fin ce que ça donne. Et on peut en faire ça, on peut le refaire en veux-tu, en voilà. Hein, tout le monde va rentrer, tout le monde est atterri. On va revoir dans notre base. Et on peut les repréparer. Alors on peut les repréparer parce que dans les missions, dans les contraintes de mission, on a l'armement et tout ce qui est pour ravitailler les avions illimité. Par contre, là, il va falloir 6 heures pour recharger. Hein. 6 heures. Allez, 6 heures. Donc, bon, voilà. Mais on pourrait refaire encore un raid pour refaire, pour détruire la suite, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Moi, je dis que ça s'est pas trop mal passé. Au niveau du score, on est en victoire majeure. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Allez, les amis, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tutoriel sur les aériens. Bah, ce petit tutoriel que j'ai fait moi, j'apprends, c'est pas, je vous apprends pas. J'apprends moi tout seul. Et puis, bah, c'est tout. Je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Salut!